Nous avons déjà traité assez longuement les clés techniques de l'efficacité commerciale, que sont les techniques de vente, les techniques de négociation, les techniques de prospection. Enfin, tout ceci, nous l'avions déjà traité dans des ouvrages précédents. Et si on fait un parallèle avec le monde sportif, je veux dire que dès lors que les sportifs de haut niveau maîtrisent les compétences techniques, le geste de leur sport, ce qui va faire la différence entre les bons et les tout meilleurs, c'est bien entendu ce qui se passe dans leur tête, sur les aspects purement mentaux, de concentration, de motivation, qui font la différence entre les tout meilleurs. Énergie, motivation, confiance en soi et concentration. En fait, ce sont les quatre grands chapitres d'une pyramide que nous avons mis en place. Donc, nous avons travaillé sur comment travailler son énergie, comment avoir le meilleur moteur possible pour être le plus souvent au bon moment, au bon endroit, avec la pêche. Une fois qu'on a de l'énergie, eh bien, elle va être au service d'une motivation. Et nous avons travaillé sur ce sujet avec un angle particulier qui est plutôt comment travailler la motivation, mais de façon personnelle. Comment être sur le registre de l'automotivation. Avec un grand principe qui est de dire, arrêtons de laisser entre les mains de notre manager les clés de notre motivation. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement personnel. Donc, comment puis-je reprendre la main là-dessus et comment puis-je travailler ma motivation pour tout au long de l'année être efficace? Tu vois qu'on a de l'énergie, de la motivation, eh bien, les grosses affaires arrivent et pour être efficace, il faut développer une certaine forme de confiance en soi. Nous avons travaillé également sur ce sujet, sur comment renforcer ou développer sa confiance en soi. Il ne s'agit pas de tomber dans l'arrogance, mais il s'agit de faire preuve d'assurance et d'assurance au bon moment, lors des deals importants. Et puis, une fois que ces trois ressources sont importantes, le bout de la pyramide, eh bien, nous parlons de la concentration, de la capacité à se concentrer. Tous les commerciaux savent bien qu'il leur est arrivé de sortir d'un entretien en ayant oublié tel ou tel point, en regrettant de ne pas avoir insisté sur tel ou tel argument. Eh bien, au moment clé, au moment de l'entretien à fort enjeu, il faut savoir mobiliser toutes les ressources à l'instant T.